Yurg à tous Aujourd'hui un épisode sur l'électricité et surtout sur les ondes. Alors c'est un sujet qui me plaît depuis longtemps et que je maîtrise un petit peu, ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Alors en guise d'introduction au prochain épisode de Mycélium, une petite mise à niveau s'impose. Mais d'abord allons poser quelques questions ardues à des passants dans la rue, suivez-moi. Si je vous parle d'ondes, à quoi ça vous fait penser Ondes, ça me fait mal déjà. Il y a des ondes partout et c'est vrai que bah justement j'y fais très attention. Euh, quelque chose de sinus... sinusoïdal. Au téléphone portable et au micro-ondes. Voilà, on est sensibilisés euh, aux ondes. Est-ce que vous savez ce qui différencie les rayons X des ondes hertziennes de la radio et de la télévision La longueur d'onde, au hasard. <laughs> la fréquence La fréquence, la fréquence Exactement au niveau... Euh, non, 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 pas, non, pas vraiment. Non. non, techniquement non. <laughs> Sur un schéma qu'on apprend par cœur. Il y a euh, les UV, les ondes hertziennes et les ultrasons. Enfin, voilà, il y a les longueurs d'onde. Qu'est-ce que ça vous évoque, le mot hertz mmh. La radio. Ouais. La radio. Mmh. C'est une, euh, une unité. Radio, ouais, la une... fréquence. Ah ouais, entre 20 <laughs> hertz et 20... Ouais. <laughs> ça me revient. Connaissez-vous le principe de fonctionnement d'un four à micro-ondes Il bon, y a des ondes qui diffusent de la chaleur ou un truc comme ça pas du tout. Et ben justement ah. celui-là est justement sur le grill, entre parenthèses, micro-ondes grill. Parce que justement, il paraîtrait que les ondes ne sont pas spécialement non, favorables. Oui, c'est des ondes qu'on envoie qui vont réchauffer, le, en gros, stimuler les... les molécules d'eau et qui vont ensuite dégager de l'énergie et de la chaleur. Enfin. Sur le principe la manière mécanique. Ah, ça là. Marche. Ah, ben là, alors là, oh, c'est une... Euh, non, 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 je ne connais alors. pas. Non, non, non. Toutes les ondes sont-elles dangereuses non, Je ne pense, pense pas. Non. Non, pas Non. Peut-être pas. Non, je ne pense pas. Non. Non. Je ne sais pas. Je que ça allait venir, cette <laughs> question-là. Pour <laughs> moi, oui. Je pense que je tout pense est dangereux. exactement. Comme vous le voyez, bien que nous baignons dans les ondes, nos connaissances sur le sujet sont parfois un petit peu... Approximative. Alors d'abord, commençons par le commencement. Nous aimerions commencer par le commencement. Oui, c'est une bonne façon de commencer. L'électricité a été inventée autour de 1660 par Otto von Kerrick. Mais pas du tout Bah, qu'est-ce que tu fais là Je suis jamais loin quand tu dis une pareille énormité. Ah ouais Alors qui a inventé l'électricité d'après toi Personne Comment ça, personne L'électricité est un phénomène naturel résultant du déplacement d'électrons dans la matière. Ok, ok. Et c'est donc en 1660. Mais même que pas. A découvert. Déjà en 600 avant Jésus-Christ, les Grecs avaient découvert qu'en frottant un morceau d'ambre jaune, un phénomène se produisait. Ce phénomène, ils l'ont appelé électron, ce qui signifie ambre jaune en grec. Bon voilà, l'homme a conscience du phénomène électrique depuis fort longtemps. Avec le temps, l'homme a appris à maîtriser l'électricité sous de nombreuses formes et dans différents domaines d'application. On commence On commencement, hein, si vous voulez. Tout d'abord, l'électricité a besoin d'un support pour circuler. Le phénomène électrique est issu du déplacement de certains électrons périphériques allant d'atome en atome. Attention, on n'est pas en train de dire qu'un électron ne peut pas se déplacer dans le vide. Si on prend le cas du tube cathodique, il s'agit d'un électron qui est lancé à une extrémité, traverse une portion de vide avant de heurter une plaque à l'autre extrémité. Donc oui, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, ce n'est pas de l'électricité. Tous les milieux ne permettent pas à l'électricité de se déplacer. Certains matériaux sont davantage isolants, comme le bois ou le caoutchouc, et d'autres sont plutôt conducteurs, comme l'or. Cependant, les électrons ne se déplacent pas tout à fait librement. Un peu comme lorsque vous marchez dans l'eau, les électrons sont freinés par le matériau en lui-même. Et c'est ce freinage des électrons, aussi appelé résistance, qui produit un phénomène que vous connaissez tous. Il s'agit de l'échauffement. Aussi appelé effet Joule, du nom de son découvreur James Prescott Joule, qu'il a étudié vers 1860. Tout matériau qui résiste au passage du courant occasionne une perte d'énergie sous forme thermique. Si je dis que vous le connaissez tous, ce n'est ni plus ni moins que vous l'avez déjà observé au moins une fois dans votre cuisine. C'est de cette manière que fonctionne un four ou un grille-pain. Et l'élévation de température du matériau entraîne l'apparition d'un autre phénomène, c'est l'émission de lumière, comme par exemple dans une ampoule à filament. À partir de là, il y a deux choses importantes à comprendre. La première, c'est que plus un matériau dissipe de chaleur par effet joule, et moins il sera efficace pour transporter de l'électricité. L'électricité va donc se perdre en cours de route. Non mais genre vraiment! À l'arrivée, on mesure moins de déplacements d'électrons. Et le deuxième truc important, c'est que presque tous les matériaux dissipent de la chaleur. <laughs> Je dis presque parce que je n'ai pas envie d'approfondir ici le sujet des supraconducteurs. L'électricité se mesure principalement au travers de deux unités, l'intensité et la tension. Ça, c'est pas trop compliqué, une métaphore qui marche bien, c'est celle de la rivière. Lorsque vous avez un courant de très forte intensité, il faut imaginer une rivière très très large et on l'exprime en ampères. Pour la tension, eh bien c'est un peu comme la vitesse de l'eau. Lorsque vous avez un courant électrique de très forte tension, c'est un peu comme une cascade où l'eau tombe à pic, et on la mesure en volts. Ces deux valeurs fondamentales permettent Exprimer la puissance. Puissance Toujours avec notre métaphore de la rivière, cela revient à parler de débit. Si une rivière a un débit de 10 000 litres par seconde, peu importe qu'elle soit très large et très lente, ou très petite et très rapide, à l'arrivée, on ressentira toujours la même puissance. Sans la puissance. Oh, on la sent bien. Là où la métaphore de la rivière s'arrête, c'est que l'électricité peut circuler dans les matériaux de deux manières différentes soit en continu, soit en alternatif. L'alternative, c'est lorsque le flux d'électrons change régulièrement de sens. L'autre gros problème avec l'électricité, c'est qu'il s'agit d'un déplacement d'électrons. Un peu comme le vent qui souffle ou l'eau qui coule dans une rivière, on ne peut pas enfermer le mouvement. Alors oui, on peut mettre de l'eau dans une bouteille, mais ce n'est pas l'eau elle-même qui entraîne la turbine d'un barrage hydroélectrique, mais bien son déplacement. Ça n'a donc aucun sens de stocker des électrons. Non, je vous jure. Dans le cas du stockage d'électricité, ça ne veut rien dire. La seule chose qui compte, c'est que les électrons se déplacent, sautent d'atome en atome. Vous allez me dire, mais alors c'est quoi une pile Eh bien, une pile, c'est une réaction chimique entre deux matériaux qui va produire un déplacement d'électrons. Et une pile rechargeable, eh bien, c'est une réaction chimique qui marche dans les deux sens. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Mais alors, ça pose un autre souci. Si on ne peut pas stocker facilement une grande quantité d'électricité, il faut la transporter et la consommer tout de suite. À moins que votre maison ne soit équipée d'une pile à combustible, je vous cache pas que ça serait la méga classe, mais sérieusement j'en doute. Alors vous êtes très probablement relié au réseau électrique national pour la France et EDF, et le problème se pose lorsqu'il y a une différence entre la production et la consommation. Bonjour à tous, je suis Jérôme de la chaîne Energia. Quark ne m'en veut pas, mais la distribution électrique c'est pile dans mes compétences. Alors ce serait dommage que je ne vous apporte pas quelques précisions importantes. Quand on parle de réseau électrique, on doit penser à trois parties. La première est la production d'électricité provenant de la conversion d'autres énergies, comme l'énergie nucléaire, l'énergie thermique ou encore l'énergie cinétique. Plusieurs producteurs existent en France, mais celui auquel on pense en premier est EDF. La deuxième partie, c'est le transport de cette électricité à un niveau de tension élevé. Cette mission est prise en charge par RTE, Réseau de transport d'électricité. Et la troisième partie, la distribution de l'électricité en basse tension jusqu'à chez vous. Et cette fois-ci, c'est l'entreprise publique Enedis qui se charge de cette tâche. Et c'est grâce à tout cela que vous pouvez allumer la lumière, démarrer votre ordinateur et regarder cette excellente vidéo. Il n'est pas rare d'entendre seulement EDF quand on parle de réseau électrique. Mais c'est tout à fait normal. Car avant les années 2000, EDF, RTE et Enedis étaient une seule et même entreprise. EDF. Mais Quark a tout à fait raison. Le vrai problème, c'est lorsqu'il y a une différence entre la production et la consommation. Le but de tout bon réseau électrique est d'ajuster la consommation et la production, autrement dit d'équilibrer le réseau. C'est RTE qui se charge de cette mission, et plus précisément les dispatchers. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a une grosse différence Blackout, on se retrouve dans le noir. Bien entendu, des moyens permettent de contrôler la production pour qu'elle suive au mieux la consommation. Dans le cas d'une surproduction, il est possible de faire rapidement baisser la production de certains types de centrales pilotables, comme les centrales thermiques et les barrages hydroélectriques. On peut également vendre l'électricité aux pays voisins et enfin stocker l'énergie électrique. Dans le cas d'une sous-production, il existe des réserves de puissance qui permettent d'augmenter la production des centrales pilotables. Cela signifie que ces centrales ne tournent jamais à 100 de leur capacité et que RTE peut donc leur donner l'ordre d'augmenter leur production. Dans ces réserves, nous avons également des gros consommateurs comme des entreprises métallurgiques qui peuvent baisser leur consommation. RTE peut également importer l'électricité des pays alentours et enfin utiliser l'énergie stockée. Vous, vous avez peut-être remarqué, mais dans les solutions d'équilibrage, je parle de stockage, mais le stockage d'énergie électrique est très compliqué. Après, certains pourraient me dire... Non mais attends, les batteries, ça existe même que j'en ai dans mon smartphone et dans mon MacBook, quoi. C'est vrai, les batteries, ça existe même pour l'équilibrage du réseau. Mais la France n'en possède quasiment pas. À la place, elle utilise un moyen beaucoup plus passionnant, les steppes. Les steppes, ou stations de transfert d'énergie par pompage, sont constituées de deux bassins, l'un plus haut que l'autre. Et entre les deux, une turbine couplée à un moteur. Lorsque nous sommes en surproduction, on utilise l'énergie électrique pour pomper l'eau du bassin le plus bas vers le bassin le plus haut. Et lorsque nous sommes en sous-production, on déverse l'eau du bassin le plus haut vers le bassin le plus bas, qui passe donc par la turbine qui produit de l'électricité. Donc, nous n'avons pas affaire à un moyen de stockage de l'énergie électrique, mais à un moyen de stockage d'énergie potentielle symbolisé par l'eau en hauteur. Les steppes ont un rendement de l'ordre de 70%, ce qui est pas mal. Ce rendement traduit la conversion de l'énergie cinétique de l'eau en énergie électrique. Les pertes sont de l'énergie thermique, le fameux effet joule merveilleusement expliqué par Quark précédemment. Donc 70% c'est bien, mais ça signifie que 30% de l'énergie initialement produite est définitivement perdue pendant le stockage. On comprend mieux pourquoi EDF cherche à savoir à tout instant combien ils doivent produire exactement. Voilà, je pense que j'ai tout dit, et si vous êtes intéressé par la production d'énergie, je vous invite à venir découvrir ma chaîne, Energia, où je vous initierai aux arcanes de la transformation énergétique. A bientôt en régime alternatif, le déplacement des électrons dans un matériau met en évidence un autre phénomène très intéressant, il s'agit de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est l'une des quatre interactions élémentaires connues à ce jour. On a longtemps cru que la force électrique et la force magnétique étaient deux choses différentes. Mais en 1864, les travaux de Maxwell ont permis d'unifier ces deux forces. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'électromagnétisme. Les travaux de Maxwell sont définis par un ensemble de formules mathématiques qu'on appelle les équations de Maxwell. Ces équations lui ont d'ailleurs permis de faire la prédiction que la lumière est une perturbation électromagnétique qui se propage dans l'espace. Cette prévision s'est avérée exacte et est considérée comme l'une des plus grandes découvertes de la physique du 19e siècle. Donc, lorsque des électrons se déplacent en va-et-vient dans un matériau conducteur, cela génère des ondes électromagnétiques. Et là, on commence à toucher à ce dont je voulais vraiment vous parler. Dit comme ça, les ondes électromagnétiques, ça fait tout de suite penser au téléphone portable, aux, aux micro-ondes, voire peut-être aussi au Wi-Fi. C'est tout à fait juste, mais ça fait aussi référence à la lumière. Et oui, la lumière visible est une onde électromagnétique. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que cette onde se comporte aussi comme une particule qu'on appelle le photon. Voilà, pour parler grossièrement, c'est une particule qui vibre sur elle-même. Lorsqu'on parle d'ondes, on parle aussi de fréquence. Et de la même manière que l'électricité s'exprime en volts et en ampères, il y a une unité pour la fréquence. Il s'agit des Hertz. Du nom du physicien Heinrich Rudolf Hertz, qui a lui aussi apporté de grandes contributions à l'électromagnétisme. Le Hertz est une notion extrêmement simple. Il s'agit ni plus ni moins que d'un nombre d'événements par seconde. Oui, oui, juste ça. Lorsque quelque chose se produit régulièrement, il suffit de compter le nombre de fois où ce quelque chose se produit pendant une seconde, et vous obtenez le nombre de Hertz. Par exemple, le cœur humain au repos bat environ 60 fois par minute, soit une fois par seconde. On peut donc dire que le cœur humain bat à 1 Hertz. Oui, on peut exprimer les battements de cœur en Hertz. Faut bien comprendre que les hertz sont une unité, au même titre que les mètres, les litres, les grammes, mais les volts et les ampères aussi. On ne peut pas remplir une boîte avec des hertz, euh, ni avec des mètres ou avec des grammes. On peut remplir une boîte avec du riz, par exemple, et ce riz, on peut le mesurer en grammes, mais ce ne sont pas les grammes qui remplissent la boîte. Et de la même manière que on peut mesurer des kilogrammes, eh bien on peut mesurer des kilohertz, des mégahertz, et ainsi de suite. Et lorsqu'on dit que l'électricité domestique est à 50 Hz, ça signifie tout simplement que les électrons font des allers-retours dans les câbles de la maison 50 fois par seconde. Juste ça. Quel est le rapport avec les ondes électromagnétiques, me direz-vous Eh bien c'est juste que la seule et... Unique différence qu'il y a entre la lumière visible et les ondes du portable ou du wifi, fi eh et bien c'est leur fréquence. Ce sont toutes les mêmes types d'ondes, mais à différentes fréquences. Et plus la fréquence sera élevée, plus les photons interagiront fortement avec la matière qu'ils croiseront sur leur route. Il y a plusieurs fréquences que vous connaissez et auxquelles on va s'intéresser. Parlons d'abord de celles qui sont tout à gauche de ce graphique. Il s'agit des rayons gamma suivis par les rayons X. Les rayons X sont principalement utilisés pour la radiographie. Leur fréquence va de 30 pétaHertz à 30 ex. Hertz. Je vous écris le chiffre ici avec plein de zéros. Ils sont suffisamment puissants pour pouvoir traverser facilement la matière. Le problème, c'est qu'ils sont tellement puissants que lorsqu'un rayon X rencontre un atome, il se produit un phénomène plutôt dérangeant. Pour parler simplement, disons qu'il peut arracher un électron. Et lorsqu'on enlève un électron à un atome, ce dernier devient un ion positif. Le souci, c'est qu'un ion, ça ne marche pas du tout pareil qu'un atome, surtout au sein d'une molécule. Il se peut que la molécule se brise. Et lorsqu'il s'agit d'ADN... On comprend que ça puisse être gênant. C'est pour cela qu'on appelle ces ondes des rayonnements ionisants, parce qu'ils sont capables de transformer un atome en ion. C'est aussi le cas dans une moindre mesure pour les rayons ultraviolets, les fameux UV, qui vont de 750 terahertz à 30 pétahertz. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien penser à mettre de la crème solaire pour s'en protéger. Ensuite, il y a la fameuse lumière visible qui va de 430 à 750 THz, et juste en dessous de la lumière visible, il y a les infrarouges qui vont de 3 à 430 THz. Ces derniers sont juste assez puissants pour faire osciller des particules, ce qui produit un échauffement. Et maintenant, on va parler des fameuses micro-ondes. Les micro-ondes vont de 300 MHz à 300 GHz. Les micro-ondes ne sont pas une seule et unique onde, mais bien un ensemble de fréquences. Et ce sont ces dernières qu'on utilise dans le Wi-Fi, le portable ou bien pour faire bouillir de l'eau. Et je vais prendre quelques minutes pour vous parler de ce phénomène. La molécule d'eau ressemble à ça, une sorte de boomerang. Aux extrémités, vous avez les atomes d'hydrogène et au centre, vous avez l'atome d'oxygène. Comme je le disais juste avant, l'onde est à la fois électrique et magnétique. Et lorsqu'elle passe à proximité d'une molécule d'eau, cette dernière cherche à s'aligner sur l'onde. Jusqu'à 1 GHz, les molécules d'eau ont le temps de tourner sur elles-mêmes pour rester synchronisées avec les ondes. Mais au-delà de 1 GHz, il y a des désynchronisations qui se produisent. C'est cette désynchronisation qui produit l'agitation moléculaire et donc la montée en température. Et la dernière catégorie, ce sont les ondes radio. Toutes sortes d'ondes radio, hein, que ce soit la télévision, la radio, ou bien les communications militaires à longue portée et j'en passe, elles vont de 3 Hz à 300 MHz. Je vais quand même revenir sur la puissance des fours à micro-ondes. Pour que l'eau contenue dans les aliments chauffe, il faut qu'il y ait beaucoup d'ondes. C'est pourquoi ces derniers montent jusqu'à 800 watts. Le watt est une unité qui permet de mesurer la puissance. À titre de comparaison, 800 watts, c'est la puissance qu'il faut pour soulever des haltères de 80 kg à 1 mètre du sol en une seule seconde. Pour vous donner une échelle de grandeur, les antennes relais émettent de 20 à 50 watts à quelques centimètres, soit un 16 de la puissance d'un micro-ondes à distance égale. C'est-à-dire que si votre micro-ondes avait 17 graduations allant de 0 à 800 watts, vous seriez sur la première. Vous savez, celle qui est dans la partie dégelée très 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 lentement. Mais ça, ça sera en faisant un gros câlin à l'antenne. Et une dernière chose à propos des puissances, les grosses antennes qu'on voit sur les toits des immeubles n'émettent pas tout autour d'elles avec la même puissance. La raison est simple, le but est de couvrir la plus grande zone possible. C'est pourquoi les ondes sont surtout concentrées sur un angle de 120 degrés. Mais ce n'est pas tout. Du fait de leur dispersion, la concentration et donc la puissance des ondes décroît très très vite en fonction de la distance. Pour vous donner un exemple, si vous prenez un caillou et que vous le lancez dans l'eau, au centre, là où le caillou est tombé, ça va faire une grosse goutte. Puis plus l'onde va s'éloigner et plus elle va perdre en intensité. Ce qui se passe, c'est que la puissance initiale de l'onde se répartit sur une surface de plus en plus grande, elle est de moins en moins concentrée. D'un point de vue thermique, on peut imaginer un feu de cheminée. Et ça tombe bien parce qu'un feu de cheminée chauffe principalement grâce à son rayonnement infrarouge, qui est un rayonnement électromagnétique. Si vous vous tenez à quelques centimètres d'un feu, vous allez vous brûler. En vous plaçant à 10 cm, il y a encore un fort risque de brûlure. Mais à 2 mètres, il n'y a plus aucun risque. Et si vous vous tenez à 10 mètres, vous ne serez même plus capable de sentir la chaleur des flammes. Surtout qu'il n'y a pas d'effet d'accumulation de la chaleur à cause des ondes. Personne n'a jamais pris feu spontanément parce qu'il est resté trop longtemps à 2 mètres d'une cheminée. On ne chauffe pas plus parce que l'on reste plus longtemps. C'est ça, la non-accumulation thermique. À cette distance, on se refroidit aussi vite qu'on chauffe. D'un point de vue mathématique, on parle d'une décroissance au carré de la distance. C'est-à-dire qu'une antenne qui émet 20 watts à 10 cm, si on s'éloigne 100 fois plus, c'est-à-dire à 10 mètres, eh bien, cette antenne émettra 10 000 fois moins d'énergie. C'est-à-dire 0,002 watts. À ce niveau-là, vous êtes en train d'essayer de sentir la chaleur d'un briquet à 10 mètres. Maintenant qu'on a fait le tour des différentes fréquences usuelles, on va s'intéresser à leurs effets connus sur l'organisme. Alors, je vous en ai déjà présenté deux. Tout d'abord, la ionisation. <laughs> là, aucun doute là-dessus, c'est extrêmement dangereux pour tous les organismes vivants. Et ensuite, l'effet thermique, celui provoqué par les fours à micro-ondes. Là encore, à forte puissance, ça provoque des brûlures, et ce phénomène est aussi admis par tout le monde. Mais y a-t-il d'autres types d'effets Et la question qui va avec, est-ce que ces autres effets sont dangereux Ce qui est vrai, c'est que la communauté scientifique continue encore aujourd'hui de se poser la question. Mais pour l'instant, aucune théorie scientifique ne permet de justifier l'hypothétique existence d'effets non thermiques. Cependant, bien que aucune théorie n'ait été validée, il y a plein d'hypothèses. Les scientifiques ont des idées et depuis 1995, beaucoup d'études ont été réalisées afin d'essayer de valider ces hypothèses. Et quand je dis beaucoup, on doit être autour de 2000 études. Les effets qui sont étudiés vont du trouble du sommeil et de la mémoire au cancer en passant par le stress oxydatif. Je vais pas tous vous les citer, principalement parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, le plus important, c'est que plusieurs équipes de recherche indépendantes puissent reproduire le même résultat positif. Or là, pour une étude positive, on en a sept qui ne montrent aucun effet. Qui a raison du coup eh bien, c'est compliqué à définir. La première chose à faire, c'est de regarder si les expériences n'induisent pas une erreur de méthodologie. En 2009, sur 100 expériences qui ne montrent pas d'effet, 69 ont été considérées comme acceptables. À titre de comparaison, toujours en 2009, sur 82 publications qui montrent un effet, seuls 9 ont une méthodologie qui a été jugée satisfaisante. 9, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Le problème, c'est que les effets observés sont de très faible intensité. C'est un problème parce que dans ce cas-là, on peut être à la limite du bruit de fond. Par exemple, sur cette photo que j'ai prise dans de très mauvaises conditions de lumière, on voit apparaître plein de pixels bleus, rouges, verts. La raison est que le capteur n'arrive plus à détecter s'il y a ou s'il n'y a pas de lumière et à savoir de quelle couleur c'est. C'est ça qu'on appelle le bruit de fond. Maintenant, si on regarde les études rigoureuses, on peut voir quelque chose de très intéressant. D'abord, les scientifiques ont essayé de voir si les ondes pouvaient être dangereuses à court terme. Et de ce point de vue, les scientifiques ne sont jamais parvenus à obtenir des effets violents et sans équivoque. Je rappelle qu'on ne parle pas d'effets thermiques. Et pour un scientifique, c'est assez frustrant d'autant échouer. D'ailleurs, beaucoup ont déjà arrêté. Beaucoup, mais pas tous. Certains se sont demandé si, bien que non mortels, on pouvait observer un début de réaction de l'organisme. Et là, bah, c'est mitigé. Les résultats sont mal définis. Cependant, les expériences semblent montrer qu'il y a un début d'effet sur l'organisme. Mais attention, avoir des effets ne signifie pas dangereux. Certaines expériences semblent même avoir des effets positif sur le sommeil et la mémoire. Maintenant, il y a aussi énormément de choses à dire sur ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité. Cependant, il s'agit d'un sujet beaucoup plus vaste que les simples ondes. Je vais donc me garder ce sujet sous le coude pour un prochain épisode de Mycelium. Donc voilà, pour résumer, les ondes électromagnétiques, ce sont des photons qui se déplacent en oscillant. Les impacts sur la santé sont encore très étudiés, cependant, on commence à avoir quelques certitudes, comme par exemple le fait que, hormis l'effet ionisant et l'effet thermique de certaines ondes, on ne relève aucun risque sanitaire pour les populations. Mais je vous vois venir. Mais les cancers, on a prouvé qu'il y en avait plus quand même. Eh bien non, même pas. Il y a eu une étude réalisée par Hardell dans les années 90 qui prédisait dans les 10 ans à venir une augmentation spectaculaire des cancers liés à l'usage du téléphone portable. Cependant, eh bien, 10 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, on constate qu'il n'y a aucune augmentation de cancer. Ce qui invalide l'étude de fait. Et qui est plutôt rassurant en fait. Donc là encore, côté risque sanitaire, les chiffres sont très rassurants. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous recommande cette excellente conférence sur laquelle je me suis en partie appuyé. Maintenant, j'ai bien conscience que je n'ai pas abordé tous les sujets et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Sauf que, bah, ça commence à faire pas mal d'infos d'un coup. Le mieux, c'est encore que je me garde ça pour un prochain épisode. En attendant, désinfectez vos arguments et gardez l'esprit critique.